Quebec, a vast, beautiful, wild territory. An infinite playground for adventure seekers. So many mountains, rivers, and lakes stretching across the country, offering endless wonder. Exploring Quebec is really a thing to do. 24 adventure enthusiasts have come to Témiscamingue in the extreme west of Quebec to battle the elements. They will trek, bike, and paddle 75 kilometers to find out who is the most adventurous. 24 enthusiasts, 12 families, 1 winner. In the last 20 years, Endurance Aventure introduced Quebec to people worldwide through its adventure races and endurance events. Those events have helped develop an adventure and endurance sports culture in Quebec, and it's now trendy. C'est une longue histoire, Endurance Aventure. Ça a commencé dans les années 90. Mon ami, puis qui est mon associé, Daniel Poirier, voulait faire une course d'aventure, un raid d'aventure. Ça n'existait pas au Canada. Puis c'est commencé comme ça. Un jour, on s'est dit, c'est ça qu'on va faire dans la vie. Ça fonctionne bien, on a des bonnes idées. Puis, fait que c'est né de la passion du sport, des courses. Puis c'est devenu notre entreprise, une façon de vivre. Quand la COVID est arrivée, pour nous, bien, c'est sûr que ça a frappé dur, parce qu'en événementiel, ça nous frappait de front. Nous, dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on amène des gens se regrouper ensemble, puis on amène des gens de partout dans le monde se regrouper ensemble. Là, on nous demandait de faire l'inverse, de séparer tout le monde. On dit, ça va pas pantoute avec qu'est-ce qu'on fait. As the sports scene evolved, Endurance Aventure adjusted rapidly by creating an event that could fit in the new post-COVID world. Puis c'est là qu'on a eu l'idée de faire le Gravel Bikepacking Challenge 500 km. Donc, on a créé un événement en fonction de la COVID. Les gens avaient tellement le goût de bouger, ça a répondu présent tout de suite. Fait que ça nous a forcé un peu à revoir un peu la façon de faire. Puis au lieu que ça soit un gros happening en groupe, bien, on a pensé à un événement qui peut se faire de façon un petit peu plus individuelle. With the GB Challenge 500 success, Endurance Aventure decided it was now time to think about staging an international raid and seize the opportunity to explore a new region of Quebec. Le Québec, c'est immense. Selon le sport qu'on veut faire, on a plein de choix. Puis c'est ça qui a fait qu'on a pu, à travers les années, aller visiter différentes régions du Québec. Puis chaque région a ses particularités aussi. On regarde les cartes, puis on dit, bon, bien, quelle région pourrait être bonne pour faire un raid d'aventure? Fait qu'on dit, Témiscamingue, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de territoires. Ça a l'air fantastique. On est une région à découvrir. On est une terre d'opportunités. On est une terre de possibilités. C'est ce qu'on veut mettre de l'avant avec le raid d'aventure. On a une nature extraordinairement généreuse, une nature diversifiée, une nature de lacs, de rivières, de forêts incroyables. Il n'y a rien comme un raid d'aventure pour faire découvrir un territoire d'aventure nature. On a fait une annonce, c'est qui la famille la plus aventurière au Québec. Tout de suite, on s'est mis à recevoir des applications. Ça a amené au premier raid Témiscamingue, qui est le fait de faire ça dans une bulle familiale, bien, ça crée, c'est vraiment une autre dynamique. On vous présente le Témiscamingue sur un plateau d'argent. Bienvenue chez nous. C'est vraiment le moment où que le stress tombe. On voit les canaux, on voit l'eau, le monde autour de nous. Rendu là, j'entends plus la foule. C'est cool, ils sont là, ils nous encouragent, mais c'est vraiment là, le stress tombe. Puis je sais que c'est là ça commence. L'aventure s'en vient, là. La course commence. Tu sais jamais quel niveau sont tous les autres athlètes. Fait que oui, t'as des espérances. Tu y vas toujours aussi d'une façon safe. Tu dis, garde,
On est venu ici quand même pour s'amuser. C'est un défi, c'est le fun. On veut en profiter. Mais dès que la course commence, bien, l'effet compétition embarque. Avec le temps, quand je me suis rendue à l'université, j'ai commencé à faire beaucoup d'escalade puis de haute montagne. Donc moi, j'ai un gros background d'expédition de haute montagne un petit peu partout à travers la planète. Quand j'ai rencontré Stéphane, on a continué à faire un peu de haute montagne. Puis après ça, on a vraiment switché sur les sports d'endurance. Donc vélo, course, triathlon longue distance. Donc on a plusieurs marathons à notre actif, quelques raids d'aventure, quelques courses de longue distance. Donc c'est vraiment... C'est vraiment ce que moi, j'ai fait là, beaucoup là, dans les dernières années. 3, 2, 1, c'est un départ! Mesdames et messieurs, bien fort, on veut vous entendre. Première édition du Raid Aventure Témiscamingue qui est maintenant en cours. With an adventure race like this, teams will need at this point to be focused. As important as it is to jump out to an early lead, they can't afford to make mistakes. Départ fulgurant. On était à l'extérieur, donc on a quand même fallu qu'on parte rapidement pour s'assurer d'être capable de se replacer pour la bouée. Mais une mauvaise analyse de la carte et probablement une idée préconçue avant de partir. Nous autres, on était sûr qu'on devait contourner la bouée et revenir au point de départ. Donc, de premier, on est passé à quasiment avant-dernier, puis après ça, on est revenu. Mais c'était la première étape. On avait une erreur à faire dans notre raid, puis on l'a fait en partant. Après ça, c'était correct. Non! Adam and Dan Mallory are the first out of the water. Now on foot, they must race to the checkpoint in Ville-Marie. My name's Adam Mallory. This is my father. I'm Dan. I like to think I'm, his twin or his brother, but I am his dad, yeah. When my brother and my sister turned 18, my father did a mountain with them, and then at some point we said, well, we've got quite a few of them now. Let's try for the seven summits. I got three left. And it's kept me fairly young, trying to keep up to them. With all the teams out of the water, they race around Ville-Marie, completing checkpoints. Mon nom, c'est Kathleen Bélanger-Julien. Je viens du Témiscamingue, donc une vraie Témiscamienne pure souche. Puis je fais le raid avec mon frère, David Bélanger-Julien. Salut! En fait, en 2017, j'ai eu un gros accident avec un tracteur, des blessures multiples, fractures multiples un peu partout. C'est pas vrai que si les médecins m'ont dit que plus jamais j'allais courir, plus jamais j'allais travailler, bien que j'allais m'en tenir à ça. Moi, je me suis dit que la persévérance avait bien meilleur goût, puis que j'allais m'en sortir puis passer au travers de ça. 3 mois plus tard, j'ai recommencé à courir, mais des petits 500 mètres, etc. Puis aujourd'hui, c'est un peu ça que ça signifie pour moi, ce défi-là. C'est la preuve de « Hey, regardez, gang, tout ce que vous m'aviez dit que je serais plus jamais capable de faire, bien, j'ai travaillé comme une débile, j'ai persévéré, j'ai été tête de mule, mais aujourd'hui, j'ai été capable de le faire. » With the checkpoints in town completed, the teams enter what will be a grueling bike section over 15 kilometers. The teams have left Ville-Marie. The competition will heat up as they navigate through the wilderness and the various checkpoints throughout the forest of Témiscamingue. Dominique and his 16-year-old son, Raphaël Pichet, are avid mountain bikers. They use those skills to get out to an early lead. They now set the pace for the rest of the teams. Suive la rue Bali. OK, fait qu'il faut rentrer dans le bois. Oui, je pense que c'est dit. C'est le site, ouais. On va laisser les bikes ici. Non, on va laisser les bikes. Là-bas, viens-t'en.
Ouais, suivez la rue Balise Rose, environ 600 mètres. Pour attention, non assisté. Another father and son team, Adam and 70-year-old Dan, are in second place. Followed by Catherine and Stéphane. Mauvais début en partant. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Ils ont pensé qu'il fallait tourner l'entour de la boue et parvenir. Ta GoPro, là? Bien, la première partie, nous, on a fait... Moi, le vélo, c'est pas ma force. C'est dans un raid, pour moi, c'est ma faiblesse, le vélo. Donc, on a pris le choix, moi et Stéphane, de s'attacher ensemble puis de toujours être attachés au presse. La première section était assez corsée parce que, mine de rien, quand tu t'attaches, c'est un guess aussi. Ça peut être très dangereux parce que les chutes... moi, je bois seulement un mètre en avant de moi. Fait que la première partie de vélo... Elle n'était pas très roulante. Il y avait beaucoup de roches, il y avait beaucoup de sable où on s'enlisait, il y avait beaucoup de montées. Fait que c'était quand même assez technique. On est allé un peu plus avec la prudence. Hein? After their mistake at the start, Catherine and Stéphane had to really dig in to make up ground on the leaders, but other teams are close behind. La connaissance du territoire, ça nous a bien aidé pour avoir une vue d'ensemble du trajet. Mais pour les autres checkpoints qui étaient un peu à l'extérieur de Ville-Marie, bien là, c'était différent parce que même si on connaît bien le territoire, il fallait vraiment regarder sur notre map pour être à la bonne place, puis tout ça. Puis le Témiscamingue, c'est énormément grand. Check la map. Faut-tu qu'on descende ou... OK, là, on est à PC8. Il faut qu'on fasse la boucle. C'est là-bas, en haut, où ce qui monte à l'écran. On continue. C'est fou. Donc, il y a des endroits que même nous autres, on a découvert quand on était là. Wow! C'est chez nous, ça. C'est beau. Il y a plusieurs communautés sur le territoire. C'est le territoire Anishinaabe ici. Ils sont très présents, ils utilisent beaucoup le territoire. C'est des territoires qui sont utilisés depuis des millénaires. Tu sais, ça fait au-dessus de 8000 ans qui sont présents ici au Témiscamingue. Donc, beaucoup, beaucoup des lieux sont nommés justement en lien avec l'histoire des Premières Nations du secteur. Là. La colonisation du Témiscamingue s'est faite par, justement, le lac Témiscamingue, la rivière et tout ça. Il y a eu, justement, tout ce qui est traite des fourrures et tout ça, mais après ça, tout ce qui est la drave. La drave a beaucoup, beaucoup marqué le territoire ici. Donc, toute l'exploitation forestière a pris une part importante, mais aussi le Témiscamingue, c'est l'agriculture. C'est des terres très fertiles qui ont été développées. On voit vraiment le bassin de terre dans le secteur Ville-Marie. Une jeune région, une belle région à découvrir pour le plein air, là, vraiment. What was interesting is how fast my son here was. Once he could get on that bike, he was like a bullet. I'd look up and he'd be long gone. But it was great when you can bike. I mean, bikes are made to be rode. It was interesting because sections you had to carry your bike, sections you had to push your bike, you could ride your bike. So it had all the aspects made it interesting. Dominique and Raphael hit their last checkpoint before switching from bikes to canoes. In canoes, teams will have to battle the elements until they cross Lac Témiscamingue. The first section, you could tell how far away you were from them. In the paddle part, we calculated they were about 12 minutes ahead. We're basically in second at this point. We'll just got to maintain that and just keep going our best pace. Le canot, quand on est arrivé là, dans la rivière, là, c'était super smooth. Puis là, dès qu'on est arrivé dans le lac Témiscamingue, là, ça a commencé à brasser. Puis la vague, elle nous arrivait tout le temps du côté gauche, dans le fond du canot. Fait que c'était puis il y avait des bonnes vagues. Là. Honnêtement, là, je pourrais pas dire la hauteur des vagues, mais c'était des bonnes vagues. Le plus dur, c'était pas tant les vagues. On était à l'aise, on était confortable. Il faisait pas froid, finalement. Il ventait, mais il faisait pas froid. Ça a été d'accoster sur la rive, parce qu'il n'y a pas de plage, là. C'est des gros cailloux, là. Donc ça a été plus compliqué. As they climb the cliffs, the teams will find a rope course waiting for them at the top. They'll have to cross the course and return to the lake as they make their way to La Kipawa.
Fait que là, t'es tout le temps, OK, on en est où? Puis on est-tu capable de faire mieux? On est-tu capable de rattraper? Faut pas se faire dépasser. Fait que ça vient te rechercher. Notre passé de compétition est toujours bien présent, jamais bien loin. Puis ça nous a motivés toute la journée. On voyait que les deux autres en avant étaient quand même beaucoup plus rapides que nous, surtout en vélo. Fait que on savait qu'on avait peu de chances de les rattraper. Mais en arrière, on savait qu'il y avait encore des bonnes équipes proches. On n'était pas venus pour ça. Mais un coup que ça commence, puis quand tu découvres où est-ce que tu es situé dans la meute, là, dans la gang, là, tu te dis, OK, bon, ça, c'est une motivation de plus qu'en bas. Oh, c'était beau. Il y a du vent. Il y a beaucoup de vent. Il y a de la houle. As teams finish the checkpoints at Lac Kipawa, the effects of a long race begin to set in. Ben, par rapport à mes blessures physiques et tout ça, mon plus gros challenge, c'était vraiment là, ramer là, avec mon deltoïde manquant. C'était vraiment difficile, mais j'ai vraiment travaillé fort. Justement, mon frère me disait que lui, il était en arrière, il fallait qu'il dirige. Mais des fois, vu que je ramais plus fort du côté droit, qui est mon bon côté, bien, lui devait compenser un peu sur l'autre côté. To succeed in this canoe section, the teams will have to navigate a labyrinth of islands and bays, which cover more than 300 square kilometers of the grandiose Lac Kipawa. There's a few spots that slowed us down a little bit. There's 6 inches to a foot of water throughout the whole tunnel, and our eyes were used to like bright sun. And then we enter the tunnel, like my light's pretty good, and I looked at it like, this thing even on? Because of that, I was pointing light directly at my feet, so I didn't step on any holes or anything that was unknown. What? Well, look, it's under ground. Ended up, the checkpoint was up high on the wall, so we went past it, got to the other end of the tunnel, and was like, okay, we missed it here somewhere. So then on the way back, I was shining my light everywhere and yeah, saw it up on the wall there. And the race was so tight that every minute really counted in this one. Oh, that was a fun one. We're closing in on first. Continuez la course là. Yeah. Pierre-Dix, c'est là. Continuez la course là, puis allez pogner. Il y a un petit chemin plus loin. Il y a un petit chemin. Once we got on the bike in the second section, we didn't know like, where they were. Ouais, c'est l'autre bord, okay, là-bas. C'est ça. Là, il faut continuer un peu plus loin. Attends. Ça va aller plus vite. Go. Ouais, go, go. When we got to the trek, the Sentier de Piers trail. Yeah. And saw their helmet. We saw their helmets sitting at the start of the trail. And they go, okay, that team is in running the trails looking for checkpoints. And then when we come out of the bush, we still saw the helmets there and realized, aha, we're now ahead of them. That's when the adrenaline kicks in. Heading into the last stretch of the race, Adam and Dan have a narrow lead. They'll have to take a stand-up paddleboard across the lake and then hike up a hill to a zip line. With Dominique and Raphael right behind them, getting to the cliffs first is a huge advantage. We arrived at the stand-up paddleboard ahead of them, and we were fired up at that point. It's really important to get to the zip line first because the next person can't get on the zip line until the person ahead is off. So you've got a few minutes gain on them, making sure you're the first. Unfortunately, another mistake cost Dominique and Raphael some time. They've left their punch card back on shore, and they'll have to go back to get it.
Adam and Dan are first on the zip line. But their lead has been shortened as they struggled to get back on their paddleboard. What am I supposed to do? You can pick me up and go down the shore. Yeah. Unfortunately, we're both pretty big, so on the paddleboard, our board was completely submerged. Like, we just had the tip of the board out of the water. It's like dragging an anchor. The other team were a lot lighter, so they were able to paddle faster on the board, and we didn't realize that they were even gaining us. On ne voyait pas d'autres équipes qui s'en venaient, donc on était vraiment sûr, OK, on finit la course. On va quand même finir ça fort, c'est fini. C'est un beau feeling quand même. Déjà, de finir une course, c'est un beau feeling, mais de la finir sur un podium. On les applaudit bien fort! Ce que je peux vous dire, c'est que je suis vraiment fière de moi. Puis fière de mon frère aussi, parce que quand on a terminé ça ensemble, bien, j'étais là, wow! Tout le chemin que j'ai parcouru d'avoir de la difficulté à m'habiller, bien, en fait, de même pas pouvoir m'habiller tout seul, de même pas pouvoir manger tout seul, à là, grimper, faire du vélo, courir, lire ma carte, puis tout ça, c'est fou le chemin que j'ai parcouru, puis j'ai trouvé ça wow! Puis j'ai même l'impression que ça m'a aidée. Pour la simple et bonne raison que David, il me trouvait fatigante parce que tout le long, j'ai gardé le sourire, puis on chantait, puis j'arrêtais plus de parler parce que, bien, moi, j'en ai vécu des choses pires que ça. J'ai eu plus mal que ça. Donc, c'est pas parce que ça fait mal ou parce que c'est dur qu'on va arrêter d'avoir du plaisir. Donc, oui, c'est un gros accomplissement, mais ça nous a poussé plus loin toute la journée aussi. Oh, je suis vraiment nerveuse dans ces courses-là. Donc, ça m'a aidé d'avoir tous ces supporters-là, tous ces gens-là du Témiscamingue. On est une petite communauté, donc qu'on se connaît bien, mais qui était là pour nous autres. C'était wow! Puis c'est pour ça aussi qu'on pense que si les prochaines années, il y a d'autres équipes du Témiscamingue qui s'inscrivent, bien, on pense vraiment qu'elles vont aimer ça parce que même si on le connaît, notre Témiscamingue, nous autres, on a découvert autre chose. Donc, les équipes, d'autres équipes de la région vont pouvoir découvrir ça eux autres aussi puis profiter de cette expérience-là. The teams had the privilege to discover the newest national park in Quebec, located in the heart of the exceptional Témiscamingue territory. A paradise for nautical sports, an exceptional adventure territory with spectacular lakes to discover and lush, untouched nature. Thank you.